Je suis une femme. Je suis championne du monde de karaté. Je suis maman. J'aimais pas le karaté au début. J'ai beaucoup pleuré sur le tatami. C'était beaucoup d'émotions. Ça me demandait beaucoup d'efforts. Honneur à notre triple championne du monde, cette fois championne d'Europe, Lance Fischer. Le karaté, ça m'aide beaucoup. Pour moi, l'objectif, c'est de ne pas sombrer. Travailler avec son corps, ça te recentre, ça te connecte. Quand t'as cru mourir, être vivante, c'est super fort. Et toi ? Un cours de karaté favorisant la reconstruction. T'as jamais vu une femme ? J'ai commencé le karaté à Marseille avec mon père. C'est lui qui tenait vraiment absolument à ce que j'en fasse, il était passionné. Et je pense qu'il a compris qu'il y avait une fille très très timide, introvertie. Et il a pensé que c'était un moyen pour moi de pouvoir exprimer qui j'étais. Et ça m'obligeait à aller vers l'autre, c'était très très dur pour moi. J'étais pas bien dans mon corps, c'était pas facile, mais en même temps, j'étais reconnue pour mes qualités, j'étais encouragée, j'ai gagné des compétitions. C'était un moyen pour moi d'être aimée, c'est vrai. Cela fait 20 ans, jour pour jour, qu'à l'hôpital des Panzi, je vois les conséquences de cette mauvaise gouvernance de mon pays. Bébés, filles, jeunes femmes, mères, grand-mères, et aussi les hommes et les garçons violés de façon cruelle. J'ai rencontré le gynécologue, le docteur Denis Mukwege, à l'occasion du Forum mondial des femmes francophones au Quai Branly. Il témoignait de son travail et de son engagement dans son pays, la République démocratique du Congo, des femmes victimes de viols utilisées comme armes de guerre. Et ça m'a donné l'envie d'aller dans son pays et de proposer la pratique du sport aux survivantes, aux très jeunes femmes victimes de viols utilisées comme armes de guerre. Ce qui m'a amené vraiment à m'engager auprès d'elle, certainement que j'ai rencontré des combattantes plus fortes que moi. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes. Et c'est de voir aussi à quel point elles ne sont pas ou si peu reconnues dans leur combat. C'est parfois vital. Et aussi de me rendre compte qu'elles sont tellement nombreuses. C'est engageant, ça. Le karaté, ça m'aide beaucoup. Pour moi, l'objectif, c'était vraiment de pas sombrer. J'avais une colère, en fait, en moi. J'avais vraiment besoin de... J'avais une colère et une révolte aussi par rapport au système, parce que c'est vraiment le parcours du combattant de faire connaître la violence au sein du couple. Honneur à notre triple championne du monde, cette fois championne d'Europe, Lance Fischer. Le karaté, ça m'aide beaucoup. Pour moi, l'objectif, c'est de pas sombrer. Travailler avec son corps, ça te recentre, ça te connecte. Quand t'as cru mourir, être vivante, c'est super fort. Et toi ? Un cours de karaté favorisant la reconstruction. T'as jamais vu une femme ? La première violence physique, elle a eu lieu il y a 10 ans.
J'avais déjà porté plainte, mais il y a quelques années. Mais il n'y a pas vraiment eu de suite. Pourtant, j'avais les certificats, j'ai ramené toutes les preuves. C'était très espacé et après, ces 4 dernières années, comme une accélération. Et avec la grossesse, ça a empiré. Alors j'ai décidé, je vais faire du sport de combat. Vu qu'au niveau de la justice, il n'y avait pas de retour, que malgré les preuves fournies, elle n'avait pas la capacité de me protéger, mes enfants et moi. Donc je me suis dit, tu vas apprendre à te défendre toute seule. Je suis allée en 2014 en République démocratique du Congo. Je n'avais pas conscience de la spécificité du traumatisme. Je l'ai appris à travers les échanges avec les jeunes femmes, le psychologue, les médecins. Et c'est là que je me suis dit, je ne peux pas faire le karaté de la même manière que je le ferais dans un camp. Voilà. 1m70, 1m60. Disons qu'aujourd'hui, j'extrais de ce que j'ai fait toute ma vie en karaté. Et je le transmets à des femmes qui ont connu de très grandes épreuves dans leur vie, qu'elles n'ont pas choisies. On va faire un petit moment d'échauffement, de respiration. Ensuite, on va faire le karaté. On finira par une période un petit moment de retour au calme. Et puis, je vous invite à simplement marcher. Chaque séance commence par un jeu simple. On marche sur le tatami, on s'approprie l'espace. Puis on fait augmenter le rythme cardiaque en trottinant. Oui. En faisant des imitations les unes des autres. Qu'est-ce que tu veux, on fait comme toi. Ah, là, on n'a jamais tenté la marche arrière, mais c'est pas mal. Hein. Elles apprennent à toucher l'autre ou à se faire toucher si elles le souhaitent. Top, on s'arrête sur place. Allez, itch. Super. Oui. Un moment important de l'échauffement, c'est celui où on va scanner tout le corps. Non, je suis très relâchée. On descend. Un point précis du corps sur lequel j'accorde beaucoup d'attention, c'est le bassin. Et je durcis mon périnée. Et quand j'ai plus d'air. Parfait. Parce que c'est là aussi que le traumatisme est arrivé. Et c'est essayer de rendre cette partie-là positive. La sensation pour savoir que je durcis en dessous, c'est l'anus. Pour vous aider, vous pouvez mettre la main sur votre ventre. Je vais de manière tout à fait naturelle parler de l'anus, de la vulve, des muscles périnéaux. Et surtout, de manière très concrète, le mettre en mouvement. On commence tout doucement, d'accord ? Tout doucement. Sensation. On a un moment très fort qui est celui du coup de poing où je leur demande de pousser un cri, ce qu'on appelle le kiaï. Je prends l'air, je suis bien relâchée, hein, comme tout à l'heure. Ah ! Et je relâche. Chi ! Go ! Et au début, la voix est très faible, elles sont gênées. Et à un moment donné, au fur et à mesure des séances, avec fierté, avec le geste du coup de poing et en poussant le cri, je vois les visages se transformer. Ça peut parfois aussi même entraîner des pleurs de libération. Imaginez que vous n'ayez eu personne pour vous rassurer quand vous étiez petit,
que vous ayez dû vous frayer un chemin sans aucune protection dans la vie. J'ai eu des parents qui n'étaient pas très intéressés par les enfants. J'étais chef de classe au lycée. Et on avait eu une séance de photos et on m'avait demandé de reconnaître mes camarades. J'arrive sur une photo et je ne reconnais pas la personne. Je dis, mais celle-là, je ne la connais pas. Tout le monde autour de moi qui se met à rire. Je dis, mais non, mais je vous promets, je ne la connais pas. Et en fait, c'était moi. Et ça n'a alerté personne. Là, j'ai compris que j'étais dissociée. J'avais pas de contact avec moi-même. Honneur à notre triple championne du monde, cette fois championne d'Europe, Laurence Fischer. Le karaté, ça m'aide beaucoup. Pour moi, l'objectif, c'est de pas sombrer. Travailler avec son corps, ça te recentre, ça te connecte. Quand t'as cru mourir, être vivante, c'est super fort. Et toi ? Un cours de karaté favorisant la reconstruction. T'as jamais vu une femme. Alors, je suis Micheline, j'ai 65 ans et je vais à la maison des femmes parce que j'ai l'impression de ne pas être en vie, en fait. J'ai raconté que j'avais été battue, que j'avais subi des violences sexuelles, que mes parents étaient d'accord. Qui je suis pour que ça soit à moi que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? La culpabilité, la honte, c'est encore moi qui la porte. Je m'appelle Prune. Je suis un être humain. Je suis comédienne, je suis danseuse. Je participe aux cours de karaté à la Maison des Femmes. Quand je me retrouve dans des périodes plus fragiles, ça me fait du bien d'aller à ce cours de karaté parce que c'est un rendez-vous où je sais que potentiellement je peux pleurer, je peux venir en toute fragilité, confiante que c'est le bon lieu, c'est le bon super, moment pour ça. Ça me bien en plus. C'est vraiment voilà. Un temps pour se faire du bien. Ouais, il y en a encore là, c'est beau. Et c'est hyper appréciable d'avoir des moments comme ça en fait. Voilà, exactement. Et je suis arrivée, tu sais, tout à l'heure, un peu, je me sentais un peu nébuleuse comme ça. Mais en fait, voilà, maintenant, à la fin, après avoir expulsé, respiré, rigolé, détente, une fois que tu donnes ton coup, il y a tout de suite le relâchement. De le faire, de venir, d'avoir cette démarche, moi, je m'en rends disponible. Et c'est une démarche pour vivre. Ça a été très long. J'ai vraiment mis mon corps de côté. Parce que ce que j'ai vécu, c'était en présence de personnes. C'était les plusieurs viols que j'ai vécu, c'était en présence de spectateurs. Et voilà. Quand j'étais gamine, je dansais beaucoup, j'étais très spontanée. Je chantais, je pouvais chanter devant toute l'école. Je pouvais danser dans des spectacles avec beaucoup de public. Enfin, ça, c'était facile, c'était spontané, c'était... C'était ma voie d'expression, mais après le traumatisme, je me suis oubliée. Moi, j'ai voulu que mon corps n'existe plus, en fait. J'ai appris sur la complexité de la nature humaine et la force de vie qu'ont ces femmes, en fait. Ce qu'elles m'ont apporté de manière évidente, c'est que je lâcherai rien.
Mon but, c'est que cette méthode adaptée de karaté ou de sport, qu'on aura étudiée et affinée, soit offerte comme thérapie par le corps pour toute femme qui souffre de violences physiques ou sexuelles.